42 degrés Celsius dans la ville océane, Pointe-Noire. Et nous sommes à quelques heures de la tenue de l'ordination épiscopale et l'installation de Monseigneur Abel Liloala, nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Pointe-Noire, en remplacement de Monseigneur Angèle Olaveri, archevêque émérite de la ville océane, donc de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Et nous sommes bel et bien au stade municipal de Vouvou, justement pour se faire une idée de tout ce qui permettra justement à la bonne tenue de cette cérémonie d'ordination, d'intronisation, d'installation de Monseigneur Abel Liloala. Et voilà, le décor est bien planté, carrément planté. Coup de pioche par là, coup de pelle par ici. Installation des tissus pour des photos par ici également. Déroulement du tapis, le tapis rouge qui permettra justement aux évêques de faire une belle entrée déjà avec la procession pour cette célébration eucharistique. Destin Mikuta de l'autre côté de la caméra et de la régie, justement pour vous donner la qualité du son, la qualité de l'image, pour vous faire vivre cette cérémonie qui ne sera pas malheureusement en direct, mais en différé. Voilà, 32 degrés Celsius ce vendredi 23 février 2024 et nous sommes bel et bien dans la ville océane et nous allons nous intéresser aux techniciens justement pour se faire une idée claire et nette des installations de la cérémonie de demain. Est-ce que tout est fin prêt, tout est nickel déjà pour justement abriter la célébration eucharistique d'ordination de Monseigneur Abel Liloala. Nous allons nous intéresser si possible à l'ingénieur de son, question de se rassurer de demain, si tout est fin prêt pour la cérémonie de demain. On le prend vraiment au dépourvu comme ça parce que il est dans son travail, mais il va nous excuser pour cela. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. On veut juste se renseigner, se rassurer, rassurer également tous ceux-là qui suivront cette cérémonie en direct ou en différé par rapport à la qualité du son. Est-ce que vous nous rassurez que demain le son sera nickel et déjà aujourd'hui tout sera à fin prêt? Ouais, en fait je vous rassure que tout sera nickel, on n'aura pas de problème technique parce que nous avons déjà pris le temps de faire des essais, donc demain tout sera nickel concernant le son. Ouais. Et à l'heure où nous sommes, qu'est-ce qui manque à régler ou qu'est-ce qu'il faut régler petit à petit jusqu'à demain? Ce qui reste, c'est juste faire la balance avec les choristes qui vont arriver tout à l'heure vers 15h. On a pris rendez-vous depuis hier. Donc, le reste, c'est juste la balance des choristes. Sinon, tout est fait prêt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons démarrer de l'autre côté des techniciens pour se faire aussi cette idée de la cérémonie de demain. On a déjà les techniciens qui sont en train déjà de finaliser le travail. C'est une grande cérémonie de l'installation parce que je rappelle que Monseigneur Abel Liloala a été le curé de la cathédrale Saint-Pierre de Pointe-Noire. On va prendre les techniciens. Question de se faire une idée. En grand, bonjour. Bonjour. Alors, je vous prends au dépourvu comme ça. C'est juste pour se faire une idée. Merci beaucoup. Alors, vous, ça va? Oui. Alors, c'est pour se faire une idée déjà. Est-ce que tout est fait prêt pour l'activité de demain, la cérémonie de demain? À votre niveau? Oui, à mon niveau, j'ai fini pour la hôtel que je viens d'installer. D'ici là, on attend les serres qui viendront mettre la nappe sur la hauteur. Mais par rapport à l'auteur et ça ne va pas empêcher là, quand on prend la taille des évêques ou des archevêques? Non, c'est comme ça qu'on m'a donné les mesures qu'on m'a données. Ouais. C'est à la cathédrale qu'on a eu les mesures là. D'accord. Ouais. D'accord, donc, merci. Donc c'est le même hauteur avec celle qui se trouve à cathédrale. Ok. Merci beaucoup à vous. Alors, merci, on dit à très bientôt. Okay. Merci. Voilà, il y a les techniciens qui nous font signe pour nous dire que c'est pas vraiment bas. Ils auront le temps de remonter ça et on va s'intéresser. C'est pas vous, mais pourtant, vous me faites signe. Et voilà.
À qui il faut demander là? Voilà, on va aller vers lui, hein. Il va nous permettre. C'est vrai, c'est pas toujours bien. Ils sont en plein travail, mais on va s'intéresser à lui quand même. Alors, juste dire par rapport au plafond, est-ce que c'est pas trop bas avec la taille des évêques ou des archevêques? On va le monter. Vous allez remonter? On va le remonter tout à l'heure là. Voilà. Parce qu'on est encore sous les essais et tout. Quoi. Ah d'accord. Donc, ouais. Alors qu'est-ce qu'il manque à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire déjà pour l'hôtel jusqu'à demain? Parce que nous sommes à quelques heures. Oui, nous sommes à quelques heures de la cérémonie, mais on a tous aussi les agents, le frère en Christ, les gens de l'église catholique. Uh-huh. Ils vont arriver pour installer leurs appareils. Ok. Mais ça c'est quoi là? On voit là. Ça, ce sont des splits portatifs. Des splits portatifs. Oui. On doit installer ici. On doit installer à cause des gens qui seront en haut. Ah, de Monseigneur et les évêques et tout. D'accord. Alors, c'est quelle compagnie déjà? Ça, c'est la compagnie Vision TV. Ils sont pour les trucs événementiels. Ah, d'accord. Ok. Donc, tout ce qui concerne les cérémonies et tout. Ah, oui. C'est vous qui êtes à Doulizy aussi? Oui, on était à Doulizy. Ah, je vois. Mais merci beaucoup. Donc, se dit à très bientôt. Merci. Merci, à très bientôt. Mais voilà. On va poursuivre. C'est l'abbé Charles Ngoma Luembe, responsable des grands travaux et aménagements pour les sites retenus pour l'organisation de la fête. Et le stade, voilà, je suis alors comme responsable, je ne peux que dire que les choses avancent. Et d'ici 18h, 19h, je crois que on aura déjà la vue, surtout pour se dire que la fête, voilà. Alors, combien de personnes ou des invités sont attendus pour demain? Alors, déjà, voilà, je crois que nous pouvons être autour de 20 000. 20 000 personnes? Oui, c'est possible. Voilà. Avec le stade, oui, le nombre, oui. Il est... Oui, c'est prévu, on a travaillé sur ça veut dire qu'on peut loger 20 000 personnes dedans. Là. 20 000 personnes? Oui. Et déjà, du cabinet, nous avons reçu 2 300 pèlerins, mm-hmm, qui viennent du cabinet. Du cabinet. Ça veut dire que, et les invités d'ici, je crois que on peut atteindre 20 000 personnes. Et donc, au niveau du Congo, dans d'autres diocèses, combien? Non, tous les diocèses sont représentés. Uh-huh. Hein, déjà que Pointe-Noire, c'est avec notre PESO, nous sommes le centre, et déjà ceux de Doulizy, Graï, déjà les évêques, tous les évêques sont presque là. Et l'archevêque de Brazzaville, je crois que lui aussi il est déjà arrivé. Donc, je crois qu'ils sont tous là. Hein? Alors, okay. Au niveau de la décoration, on a l'impression que ça traîne encore et puis et tout. Alors, tout à l'heure, on se posait la question, nous en avons discuté avec les techniciens, par rapport à l'auteur de... Non. L'auteur, ils vont monter. C'est jusqu'au fond là-bas, voyez. Ah, ok. Voilà, ça c'est parce qu'ils nous donnent la possibilité de décorer et après, ils vont remonter, voilà. C'est juste qu'au fond, vous voyez là où ça arrive, c'est là où ça... Non, pour la décoration, ne vous inquiétez pas. Hein? D'accord. On attend certaines choses, déjà la décoration pour l'hôtel, ça va se faire vers 18h, pour leur donner la possibilité de finir ici, et voilà. Alors, bien, on ne va pas vous retenir, quel est l'appel qu'il faut lancer à ceux-là qui vous suivent déjà de l'extérieur? Alors, un appel à lancer à ceux d'ici également, est-ce qu'ils doivent être là demain en masse ou... Je crois que l'appel, inutile de dire l'appel. Nous sommes conviés à cette grande fête-là. Hein? Nous avons voulu un nouvel archevêque. Dieu a fait grâce pour ça, nous avons fait la fête. Pourquoi rester à la maison? Je crois que l'idéal, c'est d'être tous là, recevant l'archevêque. Et au contraire, l'archevêque, nous sommes ensemble pour reconstruire. Voilà, on a vraiment du bruit, mais ce sont les aléas parce que ça travaille de partout, alors soyez très tolérants avec ce désagrément de ce pays, ça vaut la peine, c'est la fête, voilà. C'est la fête, commence déjà, c'est la fête, voilà, on va retirer le micro, merci. Et on vous dit merci la belle Lumba. Merci et à très bientôt. Et les dispositions de demain, pas de soucis. Hein? Il n'y a pas de soucis. Non, c'est déjà à régler. Demain, vous viendrez. Il n'y aura pas de soucis. Merci beaucoup. Allez, bonne fête. À très bientôt. Merci. Bonne fête. Voilà.
là, ça vaut la peine. C'est la fête. La décoration est plantée. Qu'est-ce qu'il faut dire? Certains groupes d'apostolats sont attendus cet après-midi pour déjà des répétitions avec l'ingénieur de son pour se rassurer vraiment, vraiment du son de demain. Mais dès fin prêt, hein, quelques arrangements petit à petit se font déjà pour voilà, se rassurer. Et voilà, le responsable nous a dit demain, vraiment, vraiment, tout sera nickel, on n'aura pas de soucis. Alors, beaucoup de gens sont attendus pour demain, pour vivre en live cette cérémonie d'ordination, d'intronisation de Monseigneur Abel Liloala, nouvel archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Voilà, on vous fait déjà découvrir le stade, la grandeur du stade, là où seront assis les fidèles chrétiens, le peuple de Dieu. Plus de 20 000 personnes sont attendues ici demain. On vous dit grand merci et on se donne rendez-vous pour demain dès 7h30, déjà pour le début, sinon l'arrivée du peuple de Dieu ici au stade municipal de Pointe-Noire. Alors on vous dit grand merci. Merci à Destin Bikuta de l'autre côté de la caméra et de la régie. Merci à vous. Merci à tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin. On ne veut pas citer de nom, de peur d'en oublier certains. Alors on vous dit grand, grand, grand merci. Et on se donne rendez-vous pour demain matin pour la retransmission en différé, je rappelle, en différé de cette messe d'installation, d'intronisation de Monseigneur Abel Liloala.